Here goes an attack. Adam Yates launches for Ineos Grenadiers. Roglic takes the first red jersey. It's a photograph between Jakobsen and Philipsen. Ryan Taramay wins the stage. Here comes Jakobsen on the line. Big crash in the peloton. It's going to be two wins in the welter for Jasper Philipsen. Magnus Cort wins the stage. Oh, big crash of Valverde. It's Michael Storer takes stage seven. Jakobsen takes his second stage win. Bonjour à tous et bienvenue sur la 9ème étape de la Vuelta 21. À la veille de la journée de repos, les organisateurs ont placé la plus belle étape de montagne de ce début d'édition. 4500 mètres de dénivelé positif, répartis sur les 100 derniers kilomètres du parcours. Et tout de même, 188 km à parcourir aujourd'hui depuis Puerto Lombreras vers l'Alto de Velifique. Une dernière ascension classée hors catégorie, la première de cette Vuelta. Si les pourcentages moyens ne sont pas extravagants, 13 km environ 6,5%, ce sont surtout les premières rampes qui feront mal avec des passages à 15%. Une journée en défense pour Roglic qui possède 8 secondes d'avance sur Felix Groschartner, l'Autrichien de la Borans-Grohe. Dans cette lutte, on aura un œil attentif également sur les Movistar d'Enric Mas et Miguel Angel Lopez qui animent cette course depuis le départ. Je pense que mes rivaux vont essayer d'attaquer, c'est sûr, chacun d'entre eux, même ceux qui sont un petit peu plus loin au général. Je crois que ça va être un final très explosif. Ouais, c'est assez difficile face à Primoz, surtout sur une étape comme aujourd'hui. Je vais essayer de faire de mon mieux. Je pense que l'équipe ne va pas avoir besoin de rouler aujourd'hui. C'est plus essayer de suivre. Tout dépendra de ce que je ressens. Mais je sais que je peux compter sur une belle équipe. C'est sûr que sans Alejandro, c'est un petit peu plus compliqué. C'est quand même notre guide. Mais on va essayer avec les gars qui restent de se concentrer et d'essayer d'être avec les meilleurs. L'équipe DSM offensive également depuis quelques jours voudra certainement encore se montrer sur cette étape. Ouais, toute l'équipe peut y aller. On avait déjà 5 gars l'autre jour. Aujourd'hui, c'est une autre occasion pour l'étape. Et s'il y a victoire au bout, c'est toujours agréable. On va réessayer de tenter notre chance et les autres équipes savent qu'on est fort. Il aura fallu du temps pour que l'échappée ne se dessine sur cette étape. Il aura fallu attendre près de 80 km et le passage au sommet de la première difficulté de la journée, l'Alto de Quattro Vientos. Wout Poels est passé devant Romain Bardet qui chasse les points de la montagne. Poels va se relever, Bardet reste à l'affût. Derrière, les attaques vont se multiplier et ce sont 11 hommes que l'on retrouve à l'avant de la course. Robert Stannard, Kenny Elisson, Damiano Caruso, Angel Madrazo, Lilian Calmejean, Olivier Legac, Rudy Mollard, le mieux classé de cette échappée. Enfin, Roulen Amesqueta et un coéquipier de Bardet, Martin Tusveld, sont dans cette offensive. Une offensive contrôlée par les Jumbo-Visma de Roglic, mais aussi les Ineos Grenadiers qui visent le général et pourquoi pas l'étape. On entre dans l'Alto Colado Venta Luisa avec moins de 2 minutes d'avance et Damiano Caruso à 70 km de l'arrivée passe à l'offensive dans le groupe de tête. Romain Bardet part en contre, Rafał Majka est dans sa roue. Le reste de l'échappée semble calé, voit le peloton se rapprocher. Caruso semble être en grande forme dans cette étape et attaquer faisait partie de ses plans ce matin. Aujourd'hui, c'est une bonne journée pour une échappée, donc il va falloir se battre pour y être. Vous savez, il y a deux courses dans la course maintenant, une pour le classement général, l'autre pour les échappées, pour les victoires d'étape. Derrière Caruso, un regroupement a lieu, ils sont désormais quatre, Bardet, Majka, mais aussi Tujvel, le coéquipier de Bardet, et Amesqueta. Mais l'Italien a pris une belle longueur d'avance. Après le sommet, il possède près de 2 minutes sur ses anciens partenaires d'échappée et plus de 2 minutes sur le peloton, à moins de 50 km de l'arrivée. Le peloton semble se relever quelque peu. Ineos abandonne la tête pour la laisser à Jumbo. Et Geoffrey Bouchard, d'AG2R Citroën, part à l'attaque. Il va bientôt rejoindre avant le sommet 3 hommes intercalés, Romain Bardet, Majka et Amesqueta. Le quatuor affiche toujours plus de 2 minutes de retard sur un Caruso aérien au sommet, tandis que le peloton pointe à 4 minutes de l'Italien. Damiano Caruso a encore accentué son avance en entrant dans la dernière ascension de la journée. Il semble bien parti pour l'étape avec plus de 5 minutes sur les favoris. Derrière lui, on coince un peu. Oh, problem for Roman Bardet. Oops, a gear problem for Roman Bardet.
Le peloton est désormais une nouvelle fois emmené par les Ineos Grenadiers de Bernal. L'écart de Caruso fond quelque peu. Sous l'impulsion de Sivakov, le groupe de favoris se réduit à moins de 10 km de l'arrivée. Et Ineos passe à l'attaque. Here goes an attack. Adam Yates launches for Ineos Grenadiers. Immediately onto the move. Here goes Miguel Ángel López. Sepp Kuss is the rider who jumps across for the Jumbo Visma team. Il ne faudra que quelques kilomètres pour voir la réaction du Slovène. Here goes Roglic. You just saw the last turn done by Steven Kruijswijk there, which launched Primoz Roglic to make an attack. Roglic est revenu avec quelques autres favoris. Henrik Maas décide de tenter sa chance à 5 km du sommet. Cette fois, seul Roglic parvient à suivre. Parmi les battus, on retrouve Egan Bernal, Miguel Ángel López, Jack Egg, Adam Yates, qui accompagne son leader Bernal. Pour les autres, l'addition risque d'être salée sur la ligne d'arrivée, tandis que le récent deuxième du Giro, Damiano Caruso, s'en va décrocher l'étape. 100 meters to go for Caruso on an assault across the mountains in Spain in La Vuelta. Damiano Caruso wins a key stage in La Vuelta. Ninth stage to Bahrain victorious and two Grand Tour stage wins this year. Here goes Primoz Roglic. He's going to take the 6 bonus seconds in second place. Mass is going to take 4 just behind. Deuxième du dernier Giro, Caruso le clamait ce matin, il n'est pas là sur la Vuelta pour le général. Bahrain Victorious va désormais compter sur Jack Egg, car Landa a craqué dans la montée finale. Mais surtout, Bahrain Victorious va pouvoir se concentrer sur les étapes avec un Caruso. Ils ont un homme fort. Caruso a déjà remporté une étape cette année sur le Giro. Voilà donc deux bouquets glanés sur les grands tours, hors contre la montre par équipe. Deux victoires cette saison, une saison riche en émotions. J'ai fait l'effort car je savais qu'Ineos faisait un gros tempo derrière pour revenir, alors j'ai attaqué avant qu'il me rattrape. J'ai tenté ma chance, même en solo. Avec ce que j'ai déjà fait sur le Giro, je suis très heureux, c'est une grande émotion. Caruso s'impose sur cette 9e étape avec plus d'une minute d'avance sur les favoris. En parlant de favoris, Roglic n'a pas laissé les bonifications à l'arrivée face à Maas. Egan Bernal lui a coincé dans le final et abandonne encore un peu de temps aux autres favoris. Au classement général, Roglic conforte son maillot de leader pour 28 secondes devant Henrik Maas. Movistar place également Miguel Ángel López sur le podium. Jack Egg suit, tandis qu'Ineos est 5e, 6e avec Bernal et Yates. Pas de changement au classement par points. Aujourd'hui, le maillot vert est toujours pour Jakobsen. En revanche, changement du porteur de maillot à poids de meilleur grimpeur avec Caruso qui fait le plein sur la dernière ascension. L'Italien domine avec 6 points d'avance sur Romain Bardet, trop court dans la dernière montée. Enfin, Egan Bernal a un adversaire pour le maillot blanc de meilleur jeune. Il s'agit de Vlasov, encore une fois distancé aujourd'hui. Le Russe pointe à plus de 2 minutes. Demain, journée de repos bien méritée après cette grosse étape. Retour mardi pour la 10e étape de cette Vuelta, 189 km entre Roquetas de Mar et Rincón de la Victoria. Une étape pour puncher sprinter qui parviendront à dompter la bosse finale située à 16 km de l'arrivée avant de s'expliquer sur la ligne, à moins que l'échappée n'aille au bout.